Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux différents formats de données proposés par Excel. Les formats de données permettent de spécifier le type de données contenues dans une cellule, ce qui influence son affichage et la manière dont les opérations sont effectuées sur cette cellule. Voici les principaux formats de données. Nous avons le format général, c'est le format par défaut, il n'applique pas de formatage spécifique. Le format nombre est utilisé pour afficher les chiffres avec diverses options, telles que le nombre de décimales, les séparateurs de milliers, etc. Le format monétaire permet de représenter les valeurs monétiques avec les symboles de devises. Le format date offre différents formats de présentation des dates. De même, le format heure offre différents formats de présentation des heures. Le format pourcentage affiche la valeur comme un pourcentage. Le format texte traite la cellule comme du texte, même s'il contient des nombres. Le format scientifique, il affiche la valeur de la cellule comme un nombre compris entre 1 et 10 et multiplié par la puissance de 10. Le format fraction représente les nombres comme des fractions. Le format spécial est utilisé pour contrôler des valeurs de la liste comme les numéros de téléphone. Le choix du bon format de données est essentiel pour assurer l'exactitude des calculs et améliorer la lisibilité de la feuille de calcul. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée.